Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes lundi, il est 7h30. Ah, non. Moi, c'est un dinosaure. T'as un dinosaure et tu manges quoi? Une clématine. Allez, bon, on est limite en plus niveau timing. Donc je vous laisse et je vous reprends. Bon, ça y est, je vous reprends. Il est 8h24, je viens de rentrer de l'école. Voilà, je me suis fait un petit café, mon petit carburant du jour. Je suis crevée. La vidéo du jour, donc le vlogmas, est à 87%. Il arrive dans 1h40. Et pourtant, vous m'avez vu, je l'ai fait hier soir. Mais c'est long. La connexion est longue et en plus, quand c'est un vlog assez long, c'est encore plus long. Voilà. Ce matin, enfin aujourd'hui, on est lundi, donc aujourd'hui c'est colis. Merci encore pour toutes vos commandes. Merci beaucoup d'être toujours présente. Donc je dois faire ça, mais avant de m'occuper des colis, il faut déjà que je me concentre sur la collection de dimanche. C'est-à-dire qu'il faut que je passe mes commandes ce matin. Absolument, pour avoir le temps de les recevoir. Et j'ai l'impression d'avoir une boucle de travers. Pour avoir le temps de les recevoir. Donc ça c'est la priorité. Vos colis, je m'en occupe aujourd'hui et tout devrait partir entre ce soir et demain. Voilà, je me fixe toujours au plus tard le mardi parce qu'il faut absolument que je m'occupe des nouveautés de dimanche. Cet après-midi à 13h45, j'ai rendez-vous téléphonique avec ma diététicienne Laetitia. Donc voilà, il faut que je m'occupe de ça aussi. C'est vrai que faudrait que je mette ça le mardi parce qu'en fait c'est compliqué. C'est compliqué tous les jours. Ah là là, bref, je vais vous laisser, je vais regarder un petit peu ma collection pour dimanche. J'ai pas anticipé, d'habitude je commence à regarder tout ça le dimanche d'avant. Et là non, non non non, je sais juste que j'espère que j'aurai reçu, c'est toujours un petit peu délicat avec certains fournisseurs, mais normalement il va y avoir une nouvelle collection de bijoux. Ça fait très longtemps que j'ai pas proposé de nouveaux bijoux sur la boutique. Et enfin bijoux, quand j'entends bijoux, c'est pas bijoux fantasy, c'est les bijoux en plaqué or et en argent. Voilà, j'en avais pas mal ces derniers temps. Avec le Black Friday, j'ai presque plus rien. Du coup, pour tout vous dire, j'ai craqué sur des pièces que je veux prendre pour moi. Et du coup, je vais vous en prendre pour vous. J'ai craqué sur une petite bague trop belle. Alors, je mets pas de bague, j'ai mon alliance, et après, j'ai pas de bague. Mais une bague que je voudrais mettre ici, elle est vraiment trop belle, en plaqué or. J'ai craqué sur une petite paire de boucles d'oreilles, mais gros coup de cœur sur celle-ci. Un gros, gros coup de cœur. Du coup, celle-ci, je vais en prendre, et je pense que je vais vous en prendre parce que. Je pense qu'elles vont vous plaire aussi. Et elles existent, je crois, en or et en argent. Donc, parfait pour tout le monde. Et voilà. Enfin, il y a d'autres pièces qui m'ont fait de l'œil. Donc, je me suis dit, allez. Alors, j'aurais peut-être dû anticiper et les avoir. Enfin, les commander avant pour que vous puissiez les avoir pour Noël, etc. Mais bon, c'est pas bien grave. On ne fait pas tous Noël en même temps. On ne voit pas tout le temps tout le monde en même temps, surtout là. Ce sera toujours l'occasion de faire une petite commande pour un cadeau. Retardataire ou un anniversaire ou quoi, ou même pour vous, parce que franchement ils sont trop trop beaux et moi je craque, donc faut que je m'occupe de ça ce matin aussi. Voilà, donc je vais vous laisser, j'ai du boulot et puis je vous reprendrai dans la journée. Il me reste du glaçage qu'on a fait hier pour les sablés. D'ailleurs j'ai trop mangé de sablé hier, je pense, parce que du coup hier soir j'ai remangé et ce matin là je suis impossible de rien avaler. C'était trop lourd, je pense. Enfin, c'est pas que c'était trop lourd, c'est que j'aurais dû m'en contenter de un. C'était très bien. Mais je suis très gourmande et il y a des choses que j'ai du mal encore à me contrôler. Donc, du coup, là, je suis un peu. J'ai l'estomac tout retourné en vrac. Donc, ce matin, j'ai besoin de ne rien manger. J'ai envie de rien du tout. Voilà. Et donc, il faut que je fasse un goûter pour les enfants. Il me reste du glaçage. Donc, je sais pas encore exactement ce que je vais faire. J'ai bien envie de faire des petits muffins et leur faire. Le petit glaçage, des petits cœurs, ils vont trouver ça mignon, ils vont être contents. Donc je pense que je vais faire ça, pareil, dans la journée, c'est chaud, mais on va y arriver. Et qu'est-ce que j'ai dit que je devais faire? Les courses pour demain. Demain est mardi. C'est un peu le seul jour off, entre guillemets, où je peux aller récupérer les courses tôt à 8h, sans que ce soit trop la folie pour moi. Donc il faudrait que je m'occupe de tous les menus aujourd'hui. Voilà. C'est encore une grosse journée, donc je sais pas si je vais beaucoup filmer du coup. Parce que quand je bosse, j'ai du mal
partager forcément. Allez, je vous laisse, je vais faire mes commandes. 10h, ça y est, j'ai fini toutes mes commandes, alors pas les colis, les commandes pour dimanche. Voilà, donc j'attends un peu savoir si tout est ok, ce que je dois, s'il y a des produits en rupture, et régler, tout n'est pas réglé, je dois attendre sagement. Et du coup, je suis en train de commencer les colis, donc vos colis, vos commandes. Voilà, c'est parti, il est 10h, je pars chercher Aaron dans 1h15. Donc je vais pas pouvoir en faire beaucoup clairement, mais c'est pas grave. De toute façon, le lundi c'est toujours comme ça si je fais pas mes commandes la veille. Et hier, clairement, j'avais pas envie. On a profité, je pense que vous avez vu, ça a fait du bien, on a été à la foire enchantée, on a passé une bonne journée. Et du coup, bah, non, faut que je rattrape tout ça. Bonjour, il est 11h25, je suis en train de finir la commande que j'ai commencée. Hop, j'en ai fait pas mal, mais j'ai pas fait la moitié, donc c'est pas grave. J'aurais pas fini pour les déposer à 4h, mais bon, c'est pas grave. Désolée, j'imprime en même temps. Après c'est parti, je vais chercher Aaron à l'école, donc je me bouge un peu les fesses. Donc j'ai fait mon petit mot. Normalement à 30 je suis dans la voiture, donc là autant dire qu'il est 26. Mais comme j'ai descendu, j'ai commencé cette commande, j'ai pas envie de l'arrêter en plein milieu. Et comme j'avais descendu les articles de plusieurs commandes, et ben j'ai eu envie de tout finir avant de partir de ce que je m'étais fixé en premier objectif. Voilà. Donc, bon, je suis en train de faire ça. C'est les petits pulls noirs étoilés que vous avez bien aimés, qui sont partis très vite. Et du coup, j'en ai recommandé. Là, j'ai validé avec un fournisseur pour... J'ai validé avec mes fournisseurs pour faire un réassort donc sur les pulls noirs étoilés. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Est-ce que vous voyez? Voilà, ce modèle-là. Donc, il va y avoir un réassort. Je vous ai fait, au fait, un réassort, je ne sais même plus si je vous l'ai dit, hier en même temps que la nouvelle collection, des pulls noirs avec les ailes dans le dos. Donc, je sais que celui-ci, vous avez bien plu. Donc, je vous l'ai fait également en réassort. Il est déjà en ligne sur la boutique. Un petit sticker. Allez, Farah. Allez. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Parce qu'en plus, j'ai un gars de chronopost qui doit passer pile pendant que je suis pas là. Donc, je lui ai mis un mot. Vous savez, vous pouvez dire ou laisser tout ça. Puis, mettre un message au chauffeur. Je lui ai dit que je m'absentais de 11h30 à midi 10. Mais je parie qu'il va passer quand je serai pas là. C'est pas grave. Ma porte, elle est loin en fait. Donc ça craint. Donc je disais, ils peuvent laisser les colis en fait devant la porte parce qu'en fait personne ne. Bon, pas le facteur. Hein. Le facteur ne laissera jamais de colis devant la porte. Mais tous mes livreurs me laissent souvent les colis en fait devant la porte parce que ma porte est au fond d'une allée, d'un jardin, de voilà, elle n'est pas accessible tout de suite. Allez, je vous laisse, je vais chercher. Bon, on vient de rentrer, le livreur est bien passé quand j'étais pas là, donc parfait, il a laissé mon colis. Au menu ce midi, moi c'est une part de tarte chèvre épinard et Aaron, je suis en train de lui chauffer des pâtes sauce tomate parce qu'il adore ça. Donc je vais manger ça à certainement avec de la mâche. Et donc voilà, j'ai récupéré Aaron. On va passer à table tous les deux. Et ensuite il va aller à la sieste. Moi j'ai envoyé mon rendez-vous téléphonique avec Laetitia. J'ai pas pu faire le goûter donc j'espère le préparer après. Et voilà, ça passe trop vite les journées, c'est incroyable. Mais vraiment incroyable. Il y a le soleil, ça fait tellement du bien. Par contre il fait super froid, j'ai plus de gants. Je sais pas où sont mes gants, faut que je fouille et que je retrouve mes gants. Du coup, Julia hier m'a passé une paire de gants à lui, donc je les ai mis tout à l'heure, ça me fait du bien, parce qu'il fait vraiment froid. Mais il y a le soleil, et je trouve que c'est le plus important. Tant qu'il y a le soleil, c'est bon. Bon, ouais. Bon, je vous reprends. Non, rentre la langue. Je vais faire vite fait les muffins avec Aaron, parce que je lui ai dit que j'allais faire ça pour le goûter. Donc monsieur ne veut pas aller se coucher tant qu'on l'a pas fait. Ensemble. Donc on va le faire tous les deux. Je prends une recette sur le site de Coucomix. Les cœurs, non mon chéri, là on fait que le gâteau. Après tu vas faire dodo. Je prends la recette. Non, je prends la recette sur le site de Coucomix. Et c'est parti mon kiki.
Donc, mettre 100 g de beurre et froid, fondu et froid dans le thermomix. Donc ça, je le fais parce que c'est le beurre. Après, t'inquiète pas, tu vas faire aussi. Il y a deux trucs que je fais moi, parce que ça, tu peux pas le faire. 120 g de lait. T'inquiète pas, voilà, parce que je sais que ça va le stresser. Tu vas faire aussi. Toi, tu mettras la farine, le sucre, etc. T'inquiète pas, tout, pas tout de suite. 120 g de lait. Tu bouges pas, il faut que je compte 120. Allez, recette, tu crois que c'est pour... C'est là que ça va être marqué, tu touches pas. J'ai mis 125, tant pis. Regarde là. Ouais. 2 œufs. Donc là, je mets moi les 2 œufs et après, tu mettras le sucre. Alors, là, il fait vite. On fait vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'Aaron il aille vite à la sieste. Et moi, j'ai le rendez-vous avec Laetitia, donc j'aimerais bien avancer un petit peu avant. Donc, bah, c'est la course. Mais bon, bah, c'est la course. Il est midi et demi, hein, ça va. On a mangé. Ouais, c'est gagné. Ah, c'est la course, donc il fait la course. C'est ça? C'est gagné, maintenant. Voilà. Tu mets les 130 g de sucre dedans. D'accord. Et ensuite, c'est voilà. La farine, le sel, la... j'ai fait en fait un mélange bicarbonate, farine, etc. Tu mets dedans. Allez, t'as tout ce que j'ai mis. Ensuite, une cuillère. Ils disent... Vous prenez la recette sur le site de Coco, mais qu'est-ce qui se passe ça, mon chéri? Parce que donc, l'arôme vanille, voilà, et ensuite on va mélanger parce qu'on doit se dépêcher. C'est là, c'est gagné, maman. C'est vrai, ouais, non, dis pas, ouais, 30 secondes, vitesse 5. Voilà, donc la pâte à muffins est déjà prête, c'est ultra rapide, et là on va les mettre dans les petits moules. Là, vous allez prendre. Donc nous, on a pris notre moule, oui, je vais te montrer. Et t'en mets un à chaque fois. Voilà. D'accord. Et Aaron va faire ça. Tiens, je crois que j'en ai mis pas un. Il faut te les préparer. Tiens. Voilà. Et on va aller tout simplement venir les remplir. Voilà, et après, on va les faire cuire. Et quand il me restera du glaçage, on le mettra quand ça sera voilà, prêt. Voilà, maman. Voilà. Il grouera vite, ça. Mais je sais pas s'il a pour combien ça me finit, à ma vie. Maman, je peux pas aller plus vite. Mais je vais trop vite. Ça se trouve, il aura des vides. Je pense que là, c'est pas mal. Il peut pas aller trop vite. Et on va mettre ça dedans, tout simplement. Moi, je vais faire, je vais faire. Non, toi, tu peux pas faire, chérie. Par contre, je vais te faire goûter si tu veux. On va goûter tous les deux. Non, pas moi. Oui, si, si. Tu me dis juste si c'est bon. À vous. Très bien. Et en fait, maman, elle va venir les... Oui, attends. Du coup, voilà ce que ça donne. Ça, je vais les enfourner. Bah, ceux-là, il n'y a plus de place. Il n'y en a plus. Ouais. Ouais. Donc, ça va partir au four. J'enlève la caméra parce que sinon, vous allez en avoir sur vous. Il est 13h. Je viens juste de les sortir du four. Donc, parfait. Vous voyez, moi, ils disent de les mettre 25 minutes. Je les ai mis 18 minutes. Mais ça suffit. C'est cuit. C'est parfait. Regardez comme ils sont beaux. Et je les ai fait ultra rapidement. Je les ai enlevés de la plaque pour éviter qu'ils continuent de cuire, parce qu'ils sont assez cuits. Je vais les laisser refroidir et après j'utiliserai du coup le reste que j'ai de glaçage. Et là voilà.
tout simplement. Bon, Aaron voulait faire la déco avec moi, mais il dormira. Ça leur fera une petite surprise au goûter, ils seront contents. Coucou. Il est 15h25. Attendez, c'est un peu ridicule ce que je fais. Vous voyez, il est 15h25, c'est un peu la folie en fait. Donc j'ai eu mon rendez-vous avec la diététicienne, je vous en parlerai, donc avec Laetitia. J'ai pas pu faire de commande, enfin de colis, parce que j'avais des colis retour de ce week-end à gérer, des mesures en plus à faire. Du coup j'ai voulu me débarrasser de tout ça, je me suis dit fais ça, comme ça c'est fait. Et puis les colis ce sera ce soir. Je vais finir ça après. Mais avant, je voudrais quand même leur faire leur petite surprise. Donc les petits muffins. Hop, avant qu'Aaron se réveille, je vais mettre un peu de sucre glace par-dessus, les décorer. Je sais pas du tout si le sucre glace, il n'aura pas durci. Ah si, quand même, Farah. Je sais pas si... Ah, ça va. Je vais peut-être leur mélanger un coup. Je sais pas s'il peut rajouter un truc pour le faire un peu plus mou. On va essayer ensemble. Ça va encore. Je savais pas trop s'il fallait pas rajouter. Ah, vous voyez pas ce que je fais. Je les badigeonne de sucre glace en fait. Voilà. Je suis pas très douée, hein. Est-ce que vous le voyez? Ça ferait affaire. Je vais mettre quelques petits... quelques petits cœurs par-dessus. J'aurais bien voulu en préparer pour nos copains. Du coup, j'aurais pas le temps d'aller à la poste. Je fais ça. Amitié, business. Amitié, business. Amitié, business. Amitié. La file un peu, je suis dingue. Dans quoi je peux leur mettre ça? Parce qu'ils sont 4, donc il faut que j'en mette 4. Mais en même temps, j'ai pas de grosses potes pour en mettre 4. Et il faut falloir que ce soit bien à plat. Ah, c'est ça. Ouais. J'ai une boîte, mais elle est toute lave-vaisselle, alors elle est chaude. Je vais l'essuyer pour qu'elle refroidisse. Parce que sinon, elle va nous faire fondre tout le glaçage. Mais en même temps, le glaçage, il va couler partout là, non? Est-ce que j'aurais pas dû le faire avant? Si. J'aurais dû le faire avant. Allez. Je leur fais les 4 pour eux. Ensuite, j'en fais 2 pour les enfants. Et ça ira. Parce qu'il va falloir que j'aille réveiller petit bonhomme en plus. Moi je vais m'abstenir avec les sablés que j'ai mangés hier, parce qu'en plus je vous ai pas dit, mais enfin, vous le savez, hein, les sablés hier. Mais oh là là, il faut que j'arrête, parce que moi sous le coup de la panique, du temps, etc., je fais n'importe quoi. Voilà. Ils vont pas pouvoir tous rentrer, il va falloir que je les serre. Du coup je vais aller les mettre après dans la voiture, mais il faut pas que ça se renverse. C'est joli, hein. C'est devenu ma nouvelle passion là depuis hier. Le glaçage et la déco. Du coup, je vais acheter des colorants et tout pour faire des trucs sympas. Par contre, faut pas en manger à chaque fois. Hein. Enfin, moi, je peux pas avec mon rééquilibrage alimentaire. Je vais pas pouvoir me faire des plaisirs tous les jours. Mais j'avais dit que je ferais des petits goûters pour les enfants au lieu d'en acheter. Ça c'est par période. Des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie. Là j'ai envie de leur faire des petits goûters, j'ai envie de cuisiner. Donc bah je fais. Ron aussi il adore ça. Alissa aussi. Du coup je pense mercredi je vais essayer d'acheter ce qu'il faut. Puis on va essayer d'anticiper plusieurs goûters, des petits déj, des trucs et tout. Mais bon j'ai toujours du mal à tout gérer avec la boutique en plus et tout. C'est toujours un peu délicat. Les copains, si vous passez par là, sachez que j'y ai mis tout mon cœur
et que j'espère qu'ils n'auront pas dégouliné partout et que vous les aurez en bon état. Sinon, ça serait vraiment dommage. Si ça, je peux pas les mettre au frigo si j'ai mon frigo. Voilà. Bon, j'ai été rapide, il est 3h30. Les biscuits pour les copains. C'est bon. Je vais laisser poser comme ça et je vais faire vite ce pour les enfants. Et voilà, c'est prêt. Je crois qu'ils vont se régaler. Je vous laisse, je vais réveiller la bonne. Oh, c'est pas trop. Un cadeau, s'il vous plaît. Oui, chacun choisit. On touche pas, on touche celui qu'on prend. Celui-là. C'est bien. Bon, moi je vous reprends, il est 18h30. Je vous montre rapidement nos assiettes. Voilà, je dois faire les courses demain. Je pensais n'avoir rien dans mes placards. Et surprise, en fouillant, on retrouve toujours des... Julien est rentré. Donc boulgour, quinoa, poisson et épinards. Et on va tous manger la même chose et ensemble, car il vient de rentrer. Donc ça, c'est trop cool. Et le après, j'irai bosser. Hein. Vous l'aurez reconnu à sa forme. Ça va pas. Ça va pas. C'est les bébêtes qui sont à la caméra. Il dit ça. Voilà, il non, j'ai un vilain message, mais je voulais pas vous en parler. Et en fait, je l'ai pas lu en entier. J'ai vu des morceaux de phrases et je l'ai bloqué parce que je me suis dit, mais oh, les gens. Donc, du coup, j'ai dit à Julien, j'avais bloqué une vilaine personne. Attends. Jalouse. Mettre juste le truc là. C'est pas bien d'être jaloux. Tu m'as pris ça en place. Écoute, peut-être qu'ils disaient la vérité. Oui, peut-être, on sait pas, hein, qui sait. Enfin, bref. Voilà, voilà. Donc, nous, on va passer à table. Les enfants ont fait des petits dessins et tout. Donc, ils sont bien occupés. J'ai presque fini ma liste des menus de la semaine parce que demain, je vais faire mes courses. Donc, enfin, je fais un drive. Donc, il faut que j'ai terminé. Voilà. Je vous laisse. Bon appétit. Bon, moi, je vous reprends. Il est 10h20. Je suis toujours dans mes colis. Je n'ai pas fini. Je voudrais terminer au moins ce d'hier, mais je crois que j'arriverai pas. J'y suis presque. J'ai pas terminé, mais je suis cassée. Donc je pense que je vais finir le dernier que je suis en train de faire. Ensuite, je vais monter ce vlog et je continuerai demain matin. Le truc, c'est que demain matin, Alissa... attendez, je peux vous lâcher? Ouais. Le truc, c'est que demain matin, la maîtresse d'Alissa n'est pas là. Donc j'ai Alissa avec moi toute la journée. Donc, elle rêve de faire des trucs qu'avec moi. Pour une fois qu'on se retrouve que toutes les deux. Donc, j'aimerais bien le consacrer du coup toute ma matinée. Mais j'ai pas réussi à terminer. Je pense que j'aurais pas terminé. J'aimerais au moins finir ce d'hier. Pour que je puisse les déposer demain matin. Quitte à terminer demain matin ce d'aujourd'hui. Vite fait. Et parce que après tout, on déposera un tôt. Donc, il y a peut-être moyen encore. Et ensuite, avoir un peu genre 2-3 heures que pour elle, quoi. Je ne sais pas. On va voir. Bref, je vais vous laisser... non, vous savez quoi, je vais terminer ça et je vous reprends un petit peu après pour vous dire... Bon, je reprends les 22 heures. Je vais arrêter là. Je vais vous clôturer ce vlog parce que maintenant, il faut que je le monte. Et j'ai les yeux qui sont en train de se fermer. Ensuite, direction la douche et gros dodo. J'espère en tout cas que ce petit vlog de notre compagnie vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!